Bonjour, nous sommes le mercredi 27 novembre, ce qui veut dire que demain euh, sort le, le nouvel, euh, le nouveau tome de la passe-miroir, le quatrième tome de la passe-miroir Du coup j'ai très 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 hâte et je me suis dit que j'allais faire un vlog où j'allais voir, euh, ben, j'allais juste filmer mes réactions euh, et mes, mes, mes attentes et mes... mes mes déceptions peut-être, mes, ou mes, mes, mes surprises, mes, voilà, mes réactions euh, lorsque j'aurai le, le, le livre entre les mains et lorsque je le lirai. Mais je commence ce vlog euh, le jour d'avant parce que comme ça je peux déjà parler de... <laughs> de d'attentes que j'ai. Et de. de... peur que j'ai <laughs> parce que euh, alors il faut savoir j'ai pas euh, pas lu le j'ai pas lu le, les premières pages du quatrième tome parce que je sais que dans le, le petit carnet qu'on a euh, en précommandant le livre il euh, y a euh, cet extrait mais je ne l'ai pas lu donc ce que je vais dire c'est vraiment euh, en ayant lu les trois premiers tomes, mais euh, sans, sans savoir euh, du tout ce que le quatrième tome va être. Mais en fait, il y a un truc, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la passe miroir, mais j'ai vraiment conscience de tous les défauts que, que cette saga a. Euh, déjà, euh, les défauts de type... Euh... De type, euh, bah, on ne sait pas trop quel âge a Ophélie et que ça peut potentiellement être vachement problématique. Les, les, les défauts de type euh, Archibald, <laughs> la misogynie, euh, tout ça, tout ça. Et aussi les défauts euh, dans, dans, dans l'intrigue, en fait, parce que le, le fait est que c'est un tout petit peu fouillis quand même et que euh, le personnage de Dieu. On connaît pas ses intentions finalement on... et du coup ben on ne comprend pas en fait qu'est-ce qui fait qu'il est méchant et pourquoi il faudrait le combattre parce qu'en fait on ne sait pas, on... on connaît pas ses intentions donc euh, comment savoir et attendez parce ah là là j'ai ma soeur qui m'envoie des sms tout le temps là euh, et du coup, voilà, euh, je trouve que en plus, le, tout l'enjeu de, 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 de l'histoire, c'est de savoir euh, que veut Dieu et euh, que veut l'autre qu'on ne connaît pas. Et je trouve que quand l'enjeu d'une histoire, c'est de savoir quelles sont les intentions d'un personnage. C'est un peu... un peu nul comme enjeu en vrai. Un petit peu, disons-le. Mais en vrai, on sait très bien que on ne, li on ne lit pas la passe miroir euh, pour l'intrigue. <laughs> on le lit pour l'univers et pour la relation entre Thorne et Ophélie, euh, pour Bérénil de Archibald, euh, pour Victoire, que j'adore, Victoire. <laughs> Euh, et, et, et pour Renard et, et Gaël. Mais. Enfin, on le lit. En, en gros, on, on lit pour les personnages, pour euh, la relation euh, principale, pour l'univers qui est créé, mais pas tellement pour l'intrigue. Invouons-le. L'intrigue, même, euh, franchement, euh, en vrai, personne n'a compris. Enfin, l'histoire de mémoire, de. de. de, de livres dont il manque une page, là. Euh. Enfin, je trouve que. Je trouve que dans les tomes précédents, on n'a pas eu assez de réponses pour comprendre assez, pour avoir envie de continuer pour l'intrigue et d'être euh, investi dans l'intrigue. On est investi dans l'univers créé, on est investi dans les personnages, mais l'intrigue moyen bof. Et euh, voilà, comme je disais, quand même, il, man il manque un petit peu euh, des enjeux, quoi. Disons-le mais malgré tous les défauts que je trouve à, à cette saga j'adore et, et et vraiment ne ne, ne vous méprenez pas j'attends ça mais comme comme j'ai jamais attendu un seul Noël de ma vie là je suis euh, j'ai trop 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 hâte d'être demain et de 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 de, de pouvoir lire et, et et voilà et je pense que je vais le lire en deux jours euh, Peut-être peut pas, peut-être plus, on verra. Mais euh, j'ai trop hâte en tout cas. Donc voilà. La dernière fois que vous n'êtes qu'à trois. <laughs> C'est le matin où je vais aller acheter euh, ben le, le, le tome. Sauf que j'ai pensé à un truc cette nuit. Oh, on voit mes cadeaux de Noël. Suite. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les gens à qui j'offre les cadeaux de Noël, ils vont font pas cette vidéo. Hop. Voilà, je suis restée bien dans l'angle. Euh... Oui, j'ai pensé à un truc cette nuit. Imaginez si dans cet homme-là, Thorne meurt. <laughs> voilà, j'ai pensé à ça. <laughs> Ça y est, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir pensé à passer à la librairie, euh, à pas à la librairie, à la boulangerie, afin de me prendre un sandwich pour ce midi, afin de pouvoir lire sans m'arrêter. Mais bon, tant pis, je retournerai à la boulangerie, c'est pas grave. Euh, update, j'ai pas lu énormément, j'ai lu peut-être deux chapitres et après je me suis rendormie. Et en me réveillant, j'ai décidé de, de mettre mon Kigurumi Stitch pour euh, une tenue de lecture euh, tout à fait euh, saillante et adéquate. Voilà! Du coup, j'ai le, le début là. Et euh, je, le début, ce qu'il y a de bien, c'est que ça résume un peu ben, toutes les questions qu'il reste euh, à répondre. Mais je commence à me dire qu'il y en a beaucoup trop des questions et qu'il faudrait vraiment qu'on commence à avoir des réponses euh, avant la fin du roman et que si on a toutes les réponses euh, dans une seule grande révélation qui se trouve au dernier chapitre ou l'avant-dernier chapitre du roman, ça va me saouler, je préférerais. J'espère qu'on va commencer à avoir des réponses bientôt et vite et qu'en en fait ce soit plus un roman où il y a des actions. Pour. Euh... Ben, en fonction des réponses qu'on va avoir, qu'il y ait des actions pour euh, arrêter euh, Dieu ou, ou l'autre, ou. Enfin, selon les réponses qu'on va avoir, en fait. Mais qu'il y ait. Oui, que ce soit pas un, encore un tome d'enquête et d'attente de, et de réponses. Parce que des tomes comme ça, on, a, on en a déjà eu trois, ça fait déjà trois. Trois tomes qu'on attend des réponses et qu'on n'en a pas. Alors là, j'espère vraiment que en fait ça va arriver bientôt et, et que ce tome-là il y a un petit peu de la prise en main de... des destins des personnages quoi. Voilà. Mais euh, je commence déjà à suspecter certaines choses, notamment euh, pour Victoire et tout ça. Mais j'ai pas encore lu la. Je me suis arrêtée juste avant le tout premier. Euh, chapitre de victoire et du coup je vais continuer mais euh, je commence à, à me douter de certaines choses pour victoire parce que je fais certains liens j'ai certaines théories voilà bonjour nous sommes le lundi 2 décembre et du coup ça fait trois jours Jours depuis ma dernière update, et du coup, en fait, je vais vous dire c'est que pour les raisons que j'ai déjà un peu dites, un peu expliquées, je suis beaucoup moins enthousiaste en fait sur euh, ce quatrième tome de La Passe Miroir. Et du coup, et euh, eh bien ces trois derniers jours, j'ai pas vraiment beaucoup lu. Euh, le premier jour, euh, j'étais arrivée euh, à peu près à 90 pages. Le deuxième jour, j'ai lu un chapitre, le troisième jour, j'ai lu trois pages et le quatrième jour, j'ai pas lu. Hier, j'ai pas lu. Donc euh, là, c'est parce que voilà, j'ai ralenti beaucoup parce que je suis moins enthousiaste mais je précise quand même que j'ai toujours envie de finir et de lire et de savoir euh, le fin mot de l'histoire et tout ça. Même si à, a priori apparemment euh, mes goûts ont changé et j'aime un peu moins mais j'ai quand même envie de savoir enfin je, je, je vais le finir je vais pas laisser ça en suspens. Donc je vous tiens au courant pour la suite des événements, la suite de mes réactions et tout ça. J'ai fini le chapitre où j'en étais et c'est rude intéressant et j'ai commencé à comprendre quelque chose enfin je suis presque sûre d'avoir compris quelque chose. Et je suis sûre aussi que Ophélie va mettre 100 pages, 150 pages à comprendre ce que je viens de comprendre moi. J'en suis sûre que ça va mettre un temps fou. Mais du coup, euh, je vais commencer à spoiler. Euh, donc faites attention, je vais sûrement mettre quelque part sur l'écran euh, un timecode pour, euh, pour euh, si vous voulez, zapper. Donc je commence à spoiler, mais en gros j'en suis au moment où euh, bah, <laughs> j'en suis au moment où c'est euh, la rafle du Valdive, sauf que c'est pas la rafle du Valdive, c'est la rafle de, de, de l'amphithéâtre des élus et où Hélène a dit euh, à Ophélie retourne-toi et comme comme, euh, comme le, le, la partie cette partie là du bouquin s'appelle recto, je pense qu'il va y avoir une partie verso et je pense que pour aller à, dans la partie verso, et eh ben c'est Ophélie va devoir aller dans un miroir et mais ressortir par ce même miroir et elle sera inversée, c'est-à-dire qu'elle sera à l'endroit puisqu'elle est déjà inversée. Je pense que ça va être ça. Et je pense que du coup elle sera dans la dimension euh, verso et la dimension d'où viennent les échos et la dimension où se trouve l'autre. Et en fait je pense que les échos ce sont des des, 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 des échos de cette dimension là et comme si c'était deux dimensions parallèles en fait vous comprenez ce que je veux dire moi je pense que c'est un truc comme ça et je pense que victoire fait partie des personnages qui peuvent aller d'une dimension à l'autre lorsque victoire se dédouble et et que voilà, et, et que dans le tome précédent, parce que j'ai fait un autre lien aussi, mais dans le tome précédent, au moment où Victoire va sur Arcanter alors qu'elle est euh, en dehors de son propre corps, et bien à ce moment-là, il y a une métaphore qui dit que c'est comme si... Euh, elle s'était prise la manche de son pull dans une poignée de porte et que ça s'était déchiré. Il y a une, une métaphore comme ça. Et du coup, je rapproche cette déchirure à juste la déchirure avec le D majuscule qui fait que le monde euh, éclate en plusieurs morceaux. Et du coup, euh, bah voilà, c'est un peu là où j'en suis de, de mes réflexions et de mes mes, 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 mes attentes de réponse, mais euh, voilà pour l'instant, j'en suis pas trop loin en fait, et ça, ça me saoulerait d'avoir à attendre 150 pages, 200 pages avant d'avoir une confirmation ou une infirmation de mes théories parce que ça me saoulerait en fait si les personnages comprennent ça. Comprennent la vérité si la vérité c'est pas ça euh, dans longtemps, alors que moi j'ai compris dès le début quoi. Enfin, ce serait pas super chouette, mais par contre, voilà le truc que j'aime bien, c'est vraiment le, le, le truc que ça, que ça va parler de déportation et de tout ça, et, et les liens qu'on peut faire avec l'histoire et même encore avec l'actualité, etc. et blablabla. Bla, bla. ça intéressant quand même donc je suis pas si déçue que ça euh, fin des spoilers maintenant enfin euh, sauf si je refais des spoilers euh, juste après dans le dans le clip d'après mais pour l'instant je sais pas donc on verra bien bonjour euh, je viens de me réveiller à peu près j'avance dans ma lecture euh... Doucement mais sûrement. J'en suis page 200 et on commence à avoir euh, des réponses euh, assez claires euh, donc je suis contente parce qu'en fait on n'a pas à attendre trop trop pour ces réponses là et du coup ça, ça me convient. Euh, pas trop surprise hein, par les réponses qu'on a. En même temps, c'est pas un mauvais point de. C'est pas un mauvais point en soi, je pense. Bref, mais euh, je me suis fait une réflexion sur euh, le fait que Thorne et Ophélie, une fois de plus, dans cet homme-là, ils. Y... sont séparés. Je veux dire. Oups, pardon. Je comprends que je comprends que l'histoire veut qu'ils soient séparés et que leur personnage veut, veut qu'ils soient séparés, mais je un petit peu. Enfin, j'aurais bien aimé voir une autre dynamique entre eux. Que juste euh, ils sont séparés et ils doivent euh, essayer de se retrouver euh... parce que j'aimerais bien voir en fait la dynamique de quand, euh, quand ils travaillent ensemble en fait de quand ils ils essaient de s'en sortir ensemble je, enfin je pense que ça aurait été une dynamique intéressante euh, entre eux aussi donc euh j'aurais bien aimé voir ça, voilà alors, euh, finalement finalement euh, Thorne et Ophélie euh, sont bien ensemble, donc euh, j'ai rien dit, my bad <laughs> je, je suis contente parce qu'on peut quand même voir la communication enfin, la euh, dynamique entre les deux, par contre euh, le lapsus que je viens de faire, communication <laughs> euh, c'est parce que maintenant, ce que j'aimerais, c'est plus de communication entre eux, parce que ce que j'aimerais, c'est que juste Ophélie euh, apprenne à poser des questions, puisque euh, il me semble bien que Thorne il lui a dit, euh, il lui a dit qu'il qu lui mentirait pas, qu'il lui cacherait pas des trucs. Euh, si ça l'a concerné, mais bon. Enfin, il me semble quand même que Thorne veut bien euh, répondre à ces questions si elle en a, mais juste elle ne les pose pas. Et j'aimerais bien qu'elle demande mais pourquoi est-ce que tu te désinfectes tout le temps euh, Pourquoi est-ce que tes griffes ne fonctionnent plus normalement J'aimerais bien qu'elle demande <laughs> et qu'il communique et qu'il. qu'il. Je ne sais pas. Qu'ils règlent le problème ensemble. Enfin, je sais pas, j'aimerais bien, voilà. Oups, pardon. Vous vous rappelez quand j'ai dit Imaginez si Thorne, il meurt dans ce tome-là. Je respire plus. D'accord euh, On fait quoi maintenant <laughs> enfin, Moi, je pense que. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'espoir que si je continue, on verra de nouveaux tornes. Mais je sais pas si c'est très. Si c'est très sage d'avoir cet espoir, parce que peut-être que ce ne sera pas le cas. Je sais pas. Je suis sous le choc. Voilà. Thorn vient de sauver Victoire, enfin de la trouver et de la rendre à sa mère et comme Victoire c'est mon personnage préféré, c'est mon enfant et <laughs> eh bien je ne souffrirai plus aucune critique à l'égard de Thorn euh, Thorn maintenant c'est devenu mon roi du monde, c'est mon président c'est nothing but respect for my president c on touche plus à Thorn, ok <laughs> viens de finir ça y est j'ai fini voilà c'est fini <laughs> euh... c'est bizarre je sais pas quoi penser Voilà, je sais pas quoi penser. Par contre, fin, genre, si je mets mes émotions de côté, ben je me dis euh, en fait, ça fait... Euh, on ne s'en rend pas compte euh, au début, mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, toute l'histoire, c'était l'histoire de comment un monde a... est, est arrivé. Fin, comment le, le monde est né. Et en fait, euh, on se dit, euh, mais euh, il pourrait trop y avoir une deuxième euh, série, une deuxième saga qui se passe euh, 500, 600 ans après, ou j'en sais rien, même 1600 ans après, j'en sais rien, et où les deux humanités différentes auraient évolué, où il y aurait peut-être un culte euh, sur la mémoire des esprits de famille, enfin euh, j'en sais rien, mais ce serait bien. <laughs> et puis aussi... Genre, la seconde La passe Miroir, elle a quand même des défauts, faut le dire. Et Christelle Davos, je pense qu'elle écrit bien malgré ça et que elle a beaucoup beaucoup de potentiel et que j'espère qu'elle va continuer. J'espère pouvoir lire encore d'autres de, de ses travaux, de ses écrits. Et. Quelque part j'espère qu'elle va s'améliorer et que ce que je viens de lire c'était le moins bon de ce qu'elle fera dans sa carrière Même si c'était quand même bon, hein. enfin j'ai quand même beaucoup apprécié en tout cas euh, Disons les, les trois premiers tomes, même si le tome 3 était un petit peu en dessous Mais les trois premiers tomes j'ai beaucoup apprécié, ce tome là j'ai apprécié Mais je vais pas mettre de beaucoup avant le mot mais apprécié Mais j'ai apprécié même si j'ai mis vachement longtemps en fait à le lire, nous sommes le 16 décembre, donc j'ai mis 19 jours, 20 jours, 19 jours à le lire. Non, 20 jours. Bref, c'est pas important. J'ai mis 20 jours à le lire et oui, c'était laborieux et je, je. Mais je suis contente de, je suis contente d'avoir fini cette saga. Je suis quand même contente d'avoir fini cette saga. Euh, je pense que je vais reprendre la discussion sans spoiler maintenant. Donc, euh, en fait, euh, enfin en fait, euh, non. Je vais reprendre la discussion sans spoiler juste avant quand je disais que j'étais contente et que je parlais d'écriture de Crystal Dabos etc. Donc, en fait, vous êtes déjà là les gens qui ont zappé les spoilers, mais c'est pas grave. Euh, oui, je suis contente et voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette lecture. Si vous avez eu les mêmes réactions que moi, dites-moi ce que vous pensez de cette fin parce que moi je suis pas sûre de savoir ce que j'en pense. C'est une fin très étrange et je suis pas sûre de savoir ce que j'en pense. Je m'étends pas plus. Euh, et puis voilà, dites-moi aussi euh, si vous avez aimé ce vlog et. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.